And we have fantastic speakers and panelists. I am very happy that the person who will kick off our discussion this afternoon is Philippe Douste-Blazy, who is the chair of the executive board of Unitaid. And I should say Bernard has been successful this time to have a maximum number of former my bosses on the panel, three in this case. Almost four, I should say. Philippe was definitely one of them for a number of years when I was at Unitaid, working to establish the medicines patent pool. But Philippe has done a great deal more than that. So we're all anxious to hear his vision for the future. Philippe. Thank you, Hélène. Perhaps I am going to speak in French in the temple of the French research. So if you allow me. Je voudrais saluer le président du DNDI, Marcel Tanner. Je voudrais évidemment saluer Bernard Pécou, le directeur. Et puis aussi Hélène, qui a fait un travail absolument exceptionnel à Unitaid et à Medicines Patent Pool à Genève. Je voudrais lui dire ma reconnaissance personnelle. J'ai vu il y a deux jours à Paris la première d'un film sur Mandela qui va sortir le 15 décembre. Et on voit sa vie et on s'aperçoit qu'en 1990 encore, les Noirs ne pouvaient pas rentrer dans des restaurants de blancs en Afrique du Sud. Ça nous paraît complètement fou aujourd'hui. Une sorte d'apartheid effroyable. Aujourd'hui, des milliards de gens ne peuvent pas avoir les mêmes médicaments que des riches. C'est exactement la même chose. Lorsqu'on dira à nos arrière-arrière-petits-enfants qu'on a accepté ça, ils ne le croiront pas. Il y a des millions de gens qui meurent parce qu'ils n'ont pas les médicaments que nous avons. Et donc c'est ça qui nous réunit aujourd'hui, et je voudrais simplement vous dire ma profonde admiration. Moi, je suis un médecin qui est mal tourné en politique, et donc je me suis retrouvé à la tête du board d'Unitaid, mais c'est grâce à vous que tout ça se fait. J'ai beaucoup d'admiration pour vous. Donc je remercie les organisateurs de m'avoir invité, évidemment l'initiative Médicaments pour les maladies négligées, le DNDI, bien évidemment aussi Médecins sans frontières et l'Institut Pasteur. Évidemment, vous faites des travaux de recherche extraordinaires dans les maladies négligées, je pense à la leishmaniose, à la maladie de Chagas, au ver filaire, au PALU, au VIH. Mais moi, ce que j'ai vu de vous, c'est surtout ce que nous avons fait sur le VIH et le travail que nous avons validé. En 2010, nous avons à Unitaid lancé un plan d'action lié aux objectifs du millénaire liés à la santé. Et je salue ici le directeur exécutif d'Unitaid, Denis Brown. Je salue également Georges Bermudez, qui est le premier directeur exécutif d'Unitaid brésilien, qui est ici dans la salle également. Nous avons reconnu, lorsqu'on a fait ce plan d'action, on a reconnu qu'on ne disposait pas de tous les outils dont nous avions besoin pour accomplir les progrès nécessaires pour soigner les personnes les plus pauvres. Souvent, les traitements étaient soit trop onéreux, soit totalement inadaptés dans un contexte de système de santé totalement déficient, soit simplement inexistants, comme dans le cas des maladies négligées. Donc cela est dû à quoi? C'est au principe même du capitalisme, qui a sorti des centaines de millions de gens de la pauvreté, mais il faut bien reconnaître que le capitalisme n'arrive pas à permettre à des entités commerciales de fournir des traitements efficaces et abordables aux personnes qui ont un faible pouvoir d'achat. C'est comme ça. Donc là, on est dans la limite dure du capitalisme, même pas du capitalisme financier, même du capitalisme social.
Donc l'initiative du DNDI, en rassemblant des entités du secteur public de sept pays, du Nord et du Sud, a permis d'attirer l'attention sur la responsabilité qui revient au secteur public et au gouvernement de protéger les plus vulnérables et d'assurer leurs besoins. Souvent on dit, regardez ces affreuses compagnies pharmaceutiques, c'est facile. Parce que en réalité c'est le politique qui est en jeu. Est-ce que le politique, dans la communauté internationale, accepte l'idée qu'il y a 1 milliard de gens qui sont, ou 2 milliards de gens qui sont complètement en dehors du système? C'est le politique. La mondialisation de l'économie s'est faite par les hommes d'affaires, parce que les hommes d'affaires sont des gens globaux. La mondialisation de la communication s'est faite par les hommes d'affaires, parce qu'ils sont globaux. La mondialisation de la solidarité ne s'est pas faite, parce qu'elle dépend du politique. Et malheureusement, le politique est trop local. J'ai fait de la politique pendant 25 ans, je sais ce que c'est. Vous vous intéressez à vos électeurs. Si vous êtes en France, vous occupez des Français. Vous êtes américain, vous occupez des Américains. Vous faites un grand discours à l'ONU et vous revenez vite. Parce que c'est très dur de faire de la politique avec des oppositions. Et donc, la solidarité internationale ne s'est pas faite. Et donc aujourd'hui, vous avez secoué un peu le cocotier pour dire qu'il faut que les gouvernements, que le secteur public s'intéresse à cela. Vous avez également travaillé avec des partenariats privés, des entreprises privées. Alors, United, là-dedans. United travaille à plusieurs niveaux. D'abord, nous travaillons en essayant de trouver des financements innovants. Vous verrez que l'histoire du XXIe siècle sera terrible si on ne trouve pas les financements pour atteindre les objectifs du millénaire. Jusqu'à maintenant, c'était les pays occidentaux qui donnaient de l'argent. Mais vous n'allez quand même pas demander à des députés grecs, italiens, portugais, français ou américains ce soir d'augmenter de plusieurs milliards l'aide. La pauvreté est chez nous de plus en plus. Donc il faut trouver des financements innovants. Nous, on a fait le premier laboratoire au monde. C'est un petit euro ou un petit dollar par billet d'avion. Donc je vous remercie tous, parce que je pense que vous voyagez tous beaucoup. Donc vous nous donnez tous un euro. En tout cas, quand vous partirez de France, vous, à un moment donné, donnerez un euro à United directement. Et pas au ministère du budget, ce qui est une révolution. Directement à United. C'est l'ébauche de la première taxe mondiale de solidarité. Et maintenant, nous travaillons sur deux autres contributions. Une contribution de solidarité sur les transactions financières. Les transactions financières sont les profits des transactions financières sont les seuls profits au monde non taxés. Quand même assez bizarre. Surtout ceux qui sont spéculatif. C'est pas ceux qui touchent, ça vous touche pas lorsque vous allez chercher 300 dollars pour aller aux États-Unis. Vous, mais c'est lorsque la Société Générale et le Crédit Lyonnais ou la Barclays et HSBC achètent 5 milliards de yens. Ça, c'est spéculatif. Et pour 2 heures. Et ensuite, ils vendent. Ça, c'est pas taxé. Donc, on dit 0,01%. C'est rien. Mais si on fait 0,01% sur tous les produits dérivés en Europe, ça fait 54 milliards par an, ne serait-ce qu'en Europe. Donc aujourd'hui, la taxe transaction financière est passée en France grâce au gouvernement français d'abord en mars 2012, puis multipliée par 2 en 2013. Et nous avons pu obtenir 15% pour le développement. C'est historique. C'est-à-dire que demain, il faut demander également aux Allemands qui vont le faire de donner 15% de leur taxe d'injection financière, puis aux Belges, puis à tous ceux qui vont faire. Tous ceux qui vont mettre en place la taxe d'injection financière doivent faire ça. Et puis, probablement au mois de juin, je vais annoncer que 4 chefs d'État africains acceptent de donner une contribution de solidarité sur les ressources extractives, c'est-à-dire pétrole, gaz et mines, c'est-à-dire quelque chose qui vient d'Afrique
pour aller en Afrique, des solidarités sud-sud. La deuxième chose que nous faisons, c'est ensuite le fait de dépenser de manière innovante. United a dans ses gènes la notion de dynamique des marchés. Créer des marchés là où ils n'existent pas, modifier les conditions habituelles des échanges et en faisant en sorte que le marché ait des retombées positives sur les personnes les plus pauvres. C'est notre DNA. Donc, on peut citer comme exemple la création de marchés pour les médicaments à faible coût pour le traitement du VIH, du paludisme et de la tuberculose. Nous avons pu baisser les prix des antirétroviraux pédiatriques de 80% depuis 2006. Aujourd'hui, il y a 450 000 enfants sur 3,5 millions. 450 000 enfants qui sont soignés contre le sida grâce à ça. Pour 98% de ces enfants, il s'agit d'une association à dose fixe que nous avons mis en place en partenariat avec la Fondation Clinton. Nous fournissons aussi un appui pour la mise au point de formulations adaptées au traitement de la tuberculose et du VIH chez l'enfant. Nous soutenons les marchés pour les traitements combinés à base d'artémisinine utilisée dans la lutte contre le paludisme. Et puis, en tant que principal bailleur de ce que l'on appelle la présélection de l'OMS, parce que ça aussi, c'est une manière de faire baisser le prix des médicaments, c'est que lorsqu'il n'y a que deux génériqueurs, ben, si on pousse pour en avoir un troisième, un quatrième, un cinquième, un sixième, ils se font la bagarre des marchés et donc ils baissent leur prix. Voilà ce que nous savons faire, voilà ce que nous avons inventé depuis 2006, créer, prouver au monde qu'une microscopique contribution de solidarité, totalement indolore, il n'y a pas un seul Français qui sait qu'il paie un euro par billet d'avion, ça existe, et que donc on peut faire mieux, c'est un exemple. Nous avons quand même récupéré 2,5 milliards de dollars en l'espace de 5 ans et demi, quand même, 6 ans, de manière indolore. Et deuxièmement, l'action sur les marchés. Et puis un jour, j'ai eu dans mon bureau un monsieur de Médecins Sans Frontières, Johan, qui s'appelle toujours Pierre Chirac, qui m'a pas donné la chance et il m'a dit « tu es obligé de faire le patent pool ». Je ne sais pas ce que c'est que le patent pool, il faut m'expliquer. Et il m'a expliqué l'histoire du TRIPS Agreements avec l'Inde, il m'a expliqué la catastrophe annoncée, il m'a expliqué que c'était la seule solution pour éviter que des millions de morts existent. Et je suis allé voir, pour commencer, des laboratoires pharmaceutiques comme Pfizer, comme Glaxo. J'avais été ministre de la Santé à l'époque. J'étais considéré comme quelqu'un de normal, de sain. Ils m'ont pris pour un fou parce qu'ils ne comprenaient pas exactement la logique au départ du patent pool. Et puis, petit à petit, c'est quelque chose qui a pu rentrer dans la tête des uns et des autres. Hélène est venue avec nous. Elle a fait des miracles. Elle a travaillé avec ses laboratoires pharmaceutiques. Elle a expliqué aux activistes aussi, cette fois-ci, c'était pas évident, ce que nous faisions, que l'on ne pouvait pas faire tout d'un coup, en particulier sur les pays à moyen revenu. Et puis, Philippe Duneton et Georges Bermudez, et surtout, je dois dire, Georges, a été le directeur exécutif d'United qui nous a permis de créer cela. Et je me souviens toute ma vie du board d'United où on a mis en place le patent pool. Greg Perry, aujourd'hui, que je salue, qui est au premier rang de cette salle, fait un travail exceptionnel et je crois va annoncer prochainement des choses formidables pour le patent pool. Autrement dit, nous, à United, nous finançons le patent pool, mais le patent pool, lui, négocie des licences d'exploitation de brevets avec des entreprises pharmaceutiques produisant des médicaments contre le VIH, car on a bien juré que c'était que pour le VIH au départ, et le patent pool œuvre pour garantir que ces licences se traduisent bien dans les pays en développement pour une disponibilité de médicaments abordables. L'idée, c'est que pour la première fois de l'histoire de l'humanité, les pauvres et les riches aient les mêmes médicaments. Enfin,
qui n'attendent pas 20 ans de brevets protégés. Eh bien, c'est ce qui s'est passé d'abord avec certains laboratoires. Je vais citer le premier quand même, même si ce n'était pas dans le discours qu'on m'avait préparé. Mais je cite Gilead quand même, qui a été le premier avec lequel nous avons signé en juillet 2010 à Londres avec le ministre de la Coopération et du Développement. Et puis, les entreprises, de plus en plus, offrent leur collaboration à Medicines Patent Pool. Et Medicines Patent Pool s'emploie également à ce que des licences soient disponibles pour la mise au point de nouvelles formulations, par exemple en ce qui concerne les médicaments contre le VIH destinés aux enfants. Je voudrais donc saluer le travail qui est fait actuellement, je ne sais pas si on peut parler d'accord, mais enfin le travail qui est fait entre DNDi et Medicines Patent Pool. C'est très important pour nous que vous travaillez ensemble, car c'est l'avenir, à mon avis, de la santé globale dans le monde. Alors, quelles leçons pouvons-nous tirer de ces 10 dernières années? D'abord, que la notion et le concept de patent pool existent. Ça marche. Même la Maison Blanche l'a salué. Donc, ça existe. Et moi, je pense qu'après le sida, on pourra voir avec les laboratoires pharmaceutiques comment on peut aller vers d'autres maladies. Ce n'est pas le directeur du patent pool, ce n'est pas le board du patent pool qui le dit, c'est moi. Donc, voilà, je pense qu'on doit aller vers d'autres maladies. J'entendais l'autre jour dans cette maison un homme que j'admire beaucoup, qui travaille beaucoup, M. Fontanet, qui travaille beaucoup sur les hépatites. Et il me parlait des progrès incroyables, d'ailleurs nous avions déjeuné avec Greg Perry et lui dans cette maison, des progrès incroyables sur les hépatites. Comment peut-on penser un instant qu'on laisse tous ceux qui ont l'hépatite associée au sida sans médicaments alors qu'aujourd'hui en 2 mois on soigne une hépatite C? Je crois que vous êtes en train tous de prouver que le système peut changer. Qu'espérons-nous maintenant pouvoir... Enfin, le patent pool, ça ne marchera pas que sur les médicaments. Le patent pool, ça peut marcher aussi dans d'autres secteurs des objectifs du millénaire. Je pense au changement climatique. Le patent pool, ça dépasse de très très loin la santé. Alors, qu'espérons-nous pour les 10 ans et 10 ans qui arrivent? D'abord, il se dégage plusieurs enseignements du travail du DNDi. Premièrement, les besoins de santé et les principes même de l'accès aux produits ont guidé les travaux du DNDi et c'est pourquoi les produits fournis dans ce cadre ne font pas l'objet d'un brevet. Et ça, c'est incroyable ce que vous avez inventé. Et sont mis au point en tant que bien public. Cela est possible parce que le financement du coût de la recherche, développement et le prix des produits ne sont pas liés. Vous avez inventé un modèle. En d'autres termes, parce que la recherche-développement a été financée, les produits peuvent être mis en vente à un prix proche du coût marginal. Les habitants des pays à revenus faibles ou intermédiaires ne souffrent pas seulement du VIH, comme je viens de le dire, de la tuberculose, du paludisme ou des maladies tropicales négligées. Le coût élevé des nouveaux médicaments, je parlais de l'hépatite C tout à l'heure, mais je peux parler aussi du cancer, représente un problème considérable qui nécessite de changer radicalement la manière dont nous finançons la recherche-développement et dont nous fixons le prix des médicaments essentiels. La dissociation du coût de la recherche-développement d'un côté et du prix de l'autre, tel que vous la pratiquez à DNDi, pourrait apporter une solution à ces domaines également. Je salue ici quelque chose qui est très important dans le monde dans lequel nous vivons, c'est la transparence. La transparence dont fait preuve le DNDi en ce qui concerne le coût de ses travaux de recherche et de développement, mais aussi la transparence qui contribue en général au fait que la discussion repose sur des discussions fiables. Parce que s'il n'y a pas de transparence, on aura toujours des discussions à n'en plus finir avec les laboratoires pharmaceutiques. Et puis pour terminer, puisqu'on ne m'a donné que 15 minutes, je voudrais faire un rêve à mon tour. Le rêve,
c'est que dans 10 ans, j'aimerais constater que les gouvernements auront mis en œuvre les recommandations du groupe de travail consultatif d'experts sur la recherche-développement de l'OMS. Je souhaite que les gouvernements engagent des négociations en vue de l'établissement d'un traité sur la recherche-développement en médecine. C'est de la responsabilité du politique. Un tel traité pourrait garantir que la recherche-développement est motivée par des besoins de santé, qu'elle conduit à la mise au point de médicaments abordables, qu'elle surmonte les obstacles liés aux questions financières, de propriété intellectuelle, ce qui est intimement lié, de réglementation en général. J'aimerais voir la dissociation, votre dissociation, appliquée dans ce nouveau cadre. J'aimerais être témoin du développement de la collaboration et du partage des résultats de travaux de recherche-développement et d'une transparence totale des données des essais cliniques. Nous avons besoin de nouveaux mécanismes pour la production et la gestion des biens publics mondiaux. Michel Kazatchkine parlait ce matin des biens publics mondiaux. Mais les biens publics mondiaux, c'est la recherche-développement en médecine. Ce sont les connaissances qu'elle produit, c'est la mise en place, la mise au point de vaccins, d'outils nécessaires pour lutter contre les maladies. Il nous faut de nouveaux accords, il nous faut ce traité. L'Organisation mondiale de la santé doit faire ce traité. C'est le grand travail de l'Organisation mondiale de la santé dans les prochaines années pour régir la création de ces biens publics et le partage de leurs coûts de production. Enfin, il faut œuvrer donc à cette mondialisation de la solidarité, l'avènement d'un monde dans lequel tous bénéficient d'une couverture et de leurs besoins en matière de santé, pour que personne ne meure d'une maladie qui peut être soignée. Un monde dans lequel l'innovation serve les besoins des gens et pas uniquement les besoins des entreprises. Un monde où soient partagés les bénéfices tirés de l'innovation. On sait maintenant, grâce à vous, on sait grâce à United, on sait grâce à Medicines Patent Pool, Greg, que c'est possible. Mais il faut une volonté politique. C'est pour ça que quand on me demande « Mais alors maintenant tu fais plus de politique », je pense que je n'ai jamais fait autant de politique que maintenant. Merci.